Alors, mesdames et messieurs les personnes accompagnées et les salariés de l'association, Christian Brault, vice-président du département en charge du handicap, entre autres, Thierry Cousin, maire de Saint-Privé-Saint-Mémin. Okay. Régine Bréant était prévue, mais je ne sais pas si elle est arrivée. Je remercie aussi de sa présence Elisabeth Gobinet, qui représente aujourd'hui son mari, Philippe Gobinet, président de la CCI et président du groupe partenaire également. Valentin Doliger, je ne l'ai pas vu, président de l'UDEL MEDEF Loiret et directeur général délégué d'Orcom. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Il arrive. Le représentant de Stéphanie Rist, peut-être aussi. Stéphane. Nice Matteo, président de l'association Un cheval pour un monde meilleur. Alors, je vois de près, mais je ne vois pas de loin avec ses lunettes. Mais je sais qu'elle est là. Justine Legrand, marraine de tandem, cavalière athlète paralympique. Chers administrateurs, chers amis, maman, et vous toutes et tous, mesdames, messieurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois nombreux aujourd'hui au siège de l'association qui va officiellement changer de nom. Mais pourquoi ce changement ? Plusieurs raisons nous ont amenés à l'envisager. D'une part, pour donner une nouvelle image peut-être plus dynamique ou plus moderne. D'autre part, pour simplifier l'ancien nom. Mais un changement ne peut se faire que s'il ne nous fait pas oublier le passé, oublier le travail effectué depuis toutes ces dernières années. De belles réalisations ont été accomplies, même si quelques nuages noirs ont assombri le paysage. Mais je ne m'attarderai pas sur le sujet. Tout cela doit nous rappeler, nous servir de colonne vertébrale pour nous rappeler de ne pas refaire les mêmes erreurs et pour ne retenir que les actions positives, efficaces et efficientes. Nous avons donc trouvé une nouvelle entité à notre belle association et je tiens à remercier tout particulièrement son géniteur, Xavier Delvert, membre du conseil d'administration et ami. Xavier, je ne sais pas où tu es. Il est là-bas. Il est là-bas, il se cache. Voilà. Alors, je crois savoir que c'est au détour, c'est au retour d'une de nos réunions de bureau et au fond d'un verre de whisky que l'idée a germé. Aujourd'hui, je ne sais pas qui remercier. Xavier ou Jack ou Daniel. Ce nouveau nom a été accueilli par tous avec beaucoup d'enthousiasme et peut évoquer une multitude d'interprétations. Et je laisse à chacun le soin d'y mettre le sens qui lui convient le mieux. Un petit mot également pour remercier mon prédécesseur, Jean-Christian Lolmède. Jean-Christian, où es-tu ? Tu es là. Merci. Président d'honneur, qui a tenu les rênes de l'association pendant 20 ans avec brio. Avec Philippe. Je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur de sa confiance. Merci également au directeur général qui a su redresser la barre au moment où le bateau prenait l'eau, Philippe Balin, à qui je vais maintenant passer la parole. Mais avant, encore un mot pour vous dire à quel point je suis fière d'être tandem. Bravo.